Ce soir, je viendrai avec toi. Ce n'est pas la peine de vous déranger, vraiment. À ce soir, alors. Vous allez adorer les films d'animation sur Netflix. Ne manquez pas les meilleurs films sélectionnés par la chaîne des geeks, parfaits pour les familles, les couples ou le divertissement en solitaire. Découvrez une variété de longs-métrages époustouflants qui rivalisent avec les classiques de Disney. Vous êtes prêts ? On y va ! Je suis votre nouveau voisin, Monsieur Kusakabe. Bonjour ! Mon voisin Totoro, le film culte des studios Ghibli sur Netflix. Gravement malade, la mère de Mei et Satsuki est soignée dans un hôpital à la campagne. Leur père décide de s'installer près d'elle et s'installe dans le village. Les fillettes découvrent avec gourmandise et un peu d'appréhension ce nouvel environnement où la nature est peuplée d'êtres magiques. Au cours d'une promenade en forêt, Mei fait la rencontre d'une créature atypique, Totoro. Chère maman, mon cœur bat très fort à l'heure où je t'écris. Nous avons vu Totoro, nous l'avons vu toutes les deux. Mon voisin Totoro est l'un des célèbres films du studio Ghibli, l'un des plus célèbres représentants de l'animation japonaise fortement présente sur Netflix. Kiki, la petite sorcière. Comme toutes les petites sorcières, Kiki doit quitter ses parents lorsqu'elle atteint l'âge de 13 ans et emménager dans une autre ville. À Koriko, la fillette espiègle, accompagnée de son chat noir, Gigi, trouve un emploi auprès d'Ozono, une gentille boulangère pour laquelle elle gère la livraison de colis en se déplaçant sur son balai volant. Une autre des nombreuses œuvres du studio Ghibli disponibles sur Netflix. Oh, notre cousin nous a dit que si on écrivait une lettre à Monsieur Klaus, il nous fabriquerait un jouet. Klaus, le film d'animation Noël de Netflix. Jesper est le pire élève de son école de facteurs. Il est ainsi muté sur une île enneigée au nord du cercle arctique où les habitants ne sont pas des plus agréables. Jesper fait la connaissance de Klaus, un menuisier taiseux qui vit en reclus dans son chalet. Bonjour, Jesper Johansson, votre facteur. Monsieur Klaus, vous avez un don. Cette rencontre est le point de départ d'une aventure drôle et touchante dans ce conte de Noël qui est un petit bijou d'animation et d'émotion. Bubble, le nouveau film d'animation japonais. Pour les fans de l'animation japonaise, Bubble était clairement l'événement de 2022 à ne pas rater sur Netflix. Il fait en effet partie des petites perles que l'on trouve sur la plateforme qui aiment proposer des contenus qui sortent de l'ordinaire. Il faut dire que Bubble est un long métrage animé réalisé par Tetsuro Araki, à l'origine de L'Attaque des Titans et de Death Note. L'histoire de Bubble se déroule à Tokyo, dans un monde inondé de bulles ayant modifié les lois de la gravité. Coupé du reste du monde, Tokyo est devenu le terrain de jeu d'un groupe de jeunes adeptes de parkour, une sortie de parcours sportif urbain privé de leur famille dont les équipes s'affrontent d'immeuble en immeuble. Un jour, après une figure périlleuse, Ibiki, jeune prodige connu pour son style de jeu risqué, est propulsé vers l'océan dénué de gravité qui entoure la ville. Il est sauvé par l'intervention soudaine d'Uta, une jeune fille au pouvoir mystérieux. Un petit bijou poétique à découvrir de toute urgence. Tu es Jacob Hollande, une arme contre la pire création de la nature. Le Monstre des Mers, le nouveau film d'animation Netflix. À une époque où des créatures géantes sèment la panique en mer, dont la très mystérieuse Tourmente Rouge, les chasseurs de monstres sont érigés en héros. Mais lorsque Maisie, une jeune orpheline, s'invite sur un célèbre navire, elle remet en cause les terrifiantes légendes autour de ces êtres marins. Ce film d'aventure a l'esthétique soignée et rappelant parfois celle de l'excellente saga fantastique et animée Dragon, avec l'adorable Croque-Mou, fait réellement voyager depuis le canapé avec de très nombreuses et spectaculaires séquences de batailles en haute mer. Et on va lui renvoyer sans pitié. Tout en parvenant à émouvoir avec une histoire d'amitié improbable. Si le Monstre des Mers ne révolutionne rien et reste plutôt assez classique dans sa forme, il touche en plein cœur et offre un divertissement efficace tout en promettant de faire réfléchir petits et grands sur la présentation des espèces et le vivre ensemble. Ma sœur est vivante et je dois suivre une éléphante. Il n'y a pas
d'éléphante. Maintenant. L'éléphante du magicien. L'éléphante du magicien est avant tout une histoire d'amitié, de magie et d'espoir. Ce nouveau film d'animation sorti en mars 2023 a été écrit pour un public jeunesse, tiré des livres éponymes. Le film est conseillé aux plus de 7 ans et reprend les codes de ses prédécesseurs. La petite ville colorée et enchantée où la bonne humeur et la magie sont quotidiens, jusqu'au jour où un terrible événement vient bouleverser ses habitants, ne manque pas de nous rappeler le royaume de Corona, où vit la princesse Réponse avant son enlèvement. Un monstre à Paris. Sorti en 2011, ce film Made in France a déjà pour lui son très joli casting de voix, parmi lesquels Vanessa Paradis, Mathieu Chédid ou encore Gad Elmaleh. Accompagné d'une jolie bande originale, ce film d'animation n'a pas pris une ride et nous emmène à l'assaut des rues pavées parisiennes pour suivre le sauvetage d'un étrange monstre traqué par le préfet de Paris. Ah, Osiris et Parapis, regarde-moi! Comment faites-vous ça le coup des yeux? Les 12 travaux d'Astérix. Exaspéré que l'irréductible petit village gaulois résiste encore, César lance un défi à Astérix, Obélix et leurs amis. S'ils sortent vainqueurs des 12 épreuves qu'il leur soumet, l'empereur s'engage à ne plus jamais les attaquer. Le conte de la princesse Kaguya. Un vieil homme découvre une minuscule princesse dans une pousse de bambou. Quand il la ramène chez lui et la montre à sa femme, elle se transforme en bébé de taille humaine. Le couple décide de l'élever comme s'il s'agissait de leur propre fille. La princesse semble avoir des dons. La nature fleurit en sa présence et elle grandit plus vite que les autres enfants. Un jour, son père adoptif découvre un trésor dans la forêt. Ses parents annoncent alors à la petite princesse qu'ils l'emmènent à la capitale pour qu'elle évolue dans un cadre de vie digne de son rang. Un drame aussi beau que fascinant. Héros modeste. Cette production originale de Netflix est un triptyque animé sur l'extraordinaire qui peut survenir au quotidien. Ces trois contes dépeignent pour le premier l'histoire de deux crabes anthropomorphes à la recherche de leur père, celle pour le deuxième d'un petit garçon allergique aux œufs, et pour le troisième celle d'un homme aliéné par son quotidien d'employé qui finit par devenir invisible. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de la partager. Pour plus de séries et de films, veuillez consulter les liens dans la description. À bientôt !